Eh bien, salut mes petits loulous, c'est Gleska et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour du Spider-Man. Attends le démon, sauvez les otages. Ouais. Ah, attendez d'ailleurs. Parlant de ça, est-ce qu'il y a des nouvelles tenues qui sont apparues? Lol, on dirait un. Pourquoi t'es mis avec des ondes sonores puissantes? Ah, vas-y! Je vais essayer cette tenue, sérieux. Spider-Man rock'n'roll. Ouais, c'est marrant quand même. Défense, attaque. Ah, mais attendez d'ailleurs. Non, ça change rien. Y avait quoi d'autre? Ouf! Putain! Point électrique. Quoi, c'est vraiment? Libère une charge d'énergie. Ouais. Tenue Stark. Appelle un Spider compagnon pour vous aider au combat. Rock'n'roll. Cette tenue projette des ennemis avec des ondes sonores puissantes. Bon, on va essayer avec celle-là pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Putain, tous les rejetons de recherche qu'il faut. Et vas-y, hop. En mode rocker pour le LOLs. Prochain épisode, je change. Peter, je voulais m'assurer que tu étais toujours disponible. Je ne peux pas encore te payer, mais j'ai fait jouer quelques leviers pour éloigner les charognards. Si on se remet sur les rails, je sais que cette nouvelle version du projet attirera les investissements. Du genre massif. Tiens-toi prêt. Je croise les doigts et les orteils, Doc. Du coup, est-ce que je vais apparaître avec cette tenue en cinématique ou pas? Peter. Si tu gères cet endroit pendant que Monsieur Lee est absent, qui s'occupe de ton ancien travail? Moi. Mais un peu d'aide est toujours la bienvenue. Tu connais quelqu'un? Oui, ça se pourrait bien. Il s'appelle Miles Morales. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? C'est son père qui a été décoré à l'hôtel de ville quand... Ah. Je lui ai parlé le jour de l'enterrement. C'est quelqu'un de bien, mais il traverse un moment difficile. J'ai connu un jeune homme comme ça autrefois. Je me rappelle que ça m'a pas mal aidé de faire des choses. Ça pourrait l'aider aussi. Voilà le numéro de sa mère. Merci. Je lui passerai un coup de fil. Et t'as pas eu de nouvelles de Monsieur Lee? Non. Pourquoi? Pour savoir. J'ai encore quelques minutes devant moi. Je vais aller faire un tour et voir si je peux faire quelque chose pour t'aider. Oh, tu n'es pas obligé. Je sais, mais j'ai envie. Je devrais vérifier le bureau de Lee. Ah, vas-y, hein, dis le plus fort, hein. Comme ça, tante Mel va entendre. Pete, je suis content que tu ailles bien. Ouais, ah, je m'accroche. Son bureau est fermé à clé. Comment je fais pour rentrer? Discrètement. Je me sens plus en sécurité. Tu défonces la porte? Très discret, en effet. J'avais encore jamais vu cette pièce. Allez, tu veux bien? Merci. Il y a rien. C'est pas ici. C'est par là. Ah, génial. Wow, c'est quoi ça? Des lignes de tension? Pourquoi autant d'électricité? Je comprends, mais le numéro de compte se trouve dans le bureau de Monsieur Lee et il est injoignable. Je vous rappellerai dès que j'aurai l'information. Non, je ne peux pas vous donner de délai. Que ferait peine dans un cas pareil. Le journal de Lee? Une clé? Je me demande ce qu'elle ouvre. Cette pièce que j'ai aperçue plus tôt,
Elle devrait être juste de l'autre côté de l'hôtel. On dirait que ce message est pour May. Il manque la photo sur l'hôtel. C'est l'histoire de fantôme que son père lui lisait. Celle d'un démon qui ne pouvait être maîtrisé que par la voie de l'équilibre. Lee a tellement fait pour New York. J'imaginais pas qu'il était hanté par de tels démons. Une sorte de serrure à énigme. Ça m'a l'air bon. Yes. Whoa. Qu'est-ce que vous cachez? Lee est obsédé par les masques. Un truc de psychologie jungienne. Lee transmet ses pouvoirs aux autres. Comment fait Lee pour les imprégner de son pouvoir? Induction bioélectrique? Déphasage par compression? Je sens mon pouvoir qui augmente, nourri par ma colère. Mon père dirait que je m'écarte de la voie de l'équilibre, mais il n'a jamais compris. La seule façon de combattre un monstre, c'est d'en devenir un. C'est flippant. Wow. C'est le dossier qu'MJ a trouvé à la salle d'enchères. Ça pourrait nous aider à comprendre les intentions de Lee. C'est une chambre de combustion, pour détruire l'épreuve. Encore une. Si la police avait trouvé ça, ou May, j'ose même pas imaginer ce qui serait passé. Ok, par cette grille au sol. Bon, comment je sors de là? Avec ton Spider-Sense, bien sûr! Oula, ça mène où ça?
Bonjour, Peter. Monsieur Lee ? Je croyais que vous étiez parti. Tu as trouvé ce que tu cherchais ? Martin, vous êtes là. Je vais prendre ça. Merci. Mais je ne vais pas pouvoir rester, hélas. Je passais juste prendre quelques affaires. Vous avez sûrement appris pour l'hôtel de ville. Oui. Une tragédie. Peter y était. Il a eu beaucoup de chance. À un meeting d'Osborne ? Je ne savais pas que tu le soutenais. Enfin, tout ce qui compte, c'est que vous alliez bien, tous les deux. Exact. Mais les terroristes courent toujours. Qui sait ce qu'ils feront ensuite ? Oh, je ne crois pas que May et toi y aient quoi que ce soit à craindre. Tant que vous ne vous aventurez pas là, vous n'avez rien à faire. Bon, je dois y aller. Vous revenez quand ? Dès que j'aurai terminé. Non, non, non! I'm Spooderman, Spooderman, Spooderman. Il est marrant en mode rocker quand même. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre les compétences. I'm like a wrecking ball. Ouais, pas assez, dommage. Capitaine Watanabe ? J'ai enfin les preuves qu'il vous fallait. Allez au centre Fist de Chinatown. Et qu'est-ce que je vais y trouver ? Une dame adorable appelée May Parker. Et des trucs très bizarres cachés dans le bureau de Lee. Mais écoutez ça, il a prévu une nouvelle attaque. Où ça ? Et quand ? J'en sais rien. Mais il va se servir d'un truc appelé le souffle du diable. Ça a l'air radical. Qu'est-ce que c'est ? Une substance créée par Oscorp. Sûrement une sorte d'arme biologique. J'ai un dossier complet là-dessus. Je le garde au chaud pour l'instant, mais je vous envoie une copie dès que possible. Ok, on fouillera son bureau. Si les preuves sont assez solides, je lancerai un avis de recherche. Salut MJ. Je vais aux nouvelles. Hé, hey, Peter. Est-ce que je peux te rappeler ? Écoute, ça devrait t'intéresser. Pourquoi tu chuchotes ? C'est juste que je suis un peu occupée, là. On fait le point autour d'un dîner chez moi ? Pas de problème. C'est moi qui cuisine. Super. À toutes. Attends. Tu te souviens quand tu m'as parlé du pouvoir de corruption par le toucher ? Je crois que je viens de le voir. Ah ouais ? De très sympathiques SDF m'ont sauté dessus. Bon, le truc, c'est qu'ils avaient les yeux brillants. Et ça m'a rappelé ce que Yuri avait raconté sur le garde qui a libéré Shocker. Donc Shocker travaillait bien pour Lee. Alors tout est lié. Et c'est pas tout ! Mais j'imagine qu'on en reparlera au dîner ? Ouais, à plus. Un dîner. Alors, qu'est-ce que je vais préparer ? Encore une caméra. Sûrement Black Cat. Jaloux que je rende visite à un autre homme ? J'espère bien. Mais tu sais que les bad boys, c'est pas mon truc. Salut, chaton. Pourquoi tu fais ça, Felicia ? Tu sais que je vais finir par t'attraper. Ah, bonjour, docteur. Comment ça va ? Peter, excellente nouvelle. Viens vite au laboratoire. Maintenant ? C'est le moment décisif. Ah, j'ai hâte de te montrer ça. Super, mais j'ai un dîner prévu. Je peux passer un peu plus tard ? Ton dîner attendra. Il faut que tu vois ça, Peter. D'accord. J'arrive tout de suite. Je me demande si ça veut dire que j'ai à nouveau un boulot. Je peux y faire un tour. Juste quelques minutes.
Oh, j'espère qu'il va pas devenir Docteur Octopus quand même. Enfin, techniquement si, mais pas tout de suite quand même. C'est dommage. Ici Central, comment ça se passe à Union Square? Les démons attaquent le poste de contrôle Bravo, besoin de renfort. Mes amis, je viens de recevoir des nouvelles d'Adrian Dooms, alias Vulture. Apparemment, ce criminel ailé a un cancer et a été déplacé à l'infirmerie du Raft pour être traité. Ce qui coûte certainement une fortune financée par les fonds publics. Permettez-moi de vous demander ceci. Pourquoi une infirmerie au Raft? C'est une prison de très haute sécurité, bourrée de psychopathes. S'ils tombent malades, laissons la nature faire son œuvre. Et si vous trouvez ça choquant, attendez devant ma feuille d'impôt. Quel enfoiré, en vrai. Pigeon ciblé. Hein? La chasse est ouverte. Quoi? Ah non, je vais pas me fâcher avec le pigeon, là, c'est mort. Tu me laisses faire ce que j'ai à faire, s'il te plaît. Bonjour, docteur. Bonjour, Peter. Je suis à toi tout de suite. Wow! Je vois qu'il y a du nouveau. Il faut vraiment qu'on optimise. Où vous avez eu tout cet équipement? J'ai appelé des gens, j'ai fait quelques emprunts. C'est comme si on recommençait tout à zéro. Mais cette fois, ce sera différent. Vous n'avez pas chômé? Ce n'est que le début. Tu vois, j'ai abordé la question des prothèses sous le mauvais angle. Pourquoi se contenter de rendre aux gens ce qu'ils ont perdu, quand on peut leur donner plus? Ok, je pense que ça devrait être bon. Tu es prêt? Il y a un problème? Bon sang! C'est de ta faute, Norman, espèce de sale! Eh ben, il n'aura pas votre vote aux prochaines élections. Désolé. Je fais souvent des blagues pourries quand l'atmosphère est tendue. C'était très drôle, Parker. C'est moi qui réagis de façon excessive. Vous êtes sûr? On devrait faire une pause. Je vais nettoyer tout ça et préparer le prochain test. Dites, je veux pas être indiscret, mais vous vous connaissez depuis longtemps, vous et Norman? C'était mon binôme de labo à l'université. On est devenus amis. On a fondé notre société. Nous voulions tous les deux changer le monde, mais pas de la même façon. Quoi? Vous étiez chez Oscorp au tout début? C'est en partie de moi que vient le nom Oscorp. À la fac, tout le monde nous appelait les Oz. On a ajouté Corp et voilà. Ça sonnait plutôt bien. Et pourquoi vous êtes parti? Norman est devenu obsédé par la génétique. Il a lancé un projet que je considérais immoral. Et puis il y a eu... Au final, les avocats s'en sont mêlés. Je suis parti en échange d'une compensation. Mais cet argent n'a pas fait long feu. Et depuis, je vis de subventions. Si ce projet n'aboutit pas... Vous en faites pas, ça va marcher. Attendez, je vais réparer ça. Je vais refaire du café. Pense à faire un diagnostic de l'unité centrale. Il y a peut-être un court jus. Oh
what? Oh my god. Celui-là ne peut pas bouger. Celui-là non plus. Attention visée. Tension actuelle 6, tension visée 5. Donc ça veut dire qu'il y a un des deux. Et on ne peut pas. On ne peut rien modifier étrangement. Sauf là. Donc, l'objectif ça serait de les faire passer. On peut pas les retirer ça. On peut pas les faire pivoter. Ça non plus. Donc dans la logique, faut prendre un chemin. Mais lequel? Ah, c'est casse-couille. Et là on a deux tensions, c'est ça le problème. Et ça je ne peux pas les modifier quoi. Je ne peux pas les modifier, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins. Il faut qu'il y en ait au moins un. Oh bordel. Dans la logique, faudrait partir par de ça. Peut-être comme ça. Pas d'excuse, on peut pas le modifier quoi. Quand même. Parce que. De toute façon, le problème c'est que ces deux-là sont. Enfin, ceux-là ils sont bloqués, mais on peut pas passer par. Par ceux-là quoi, c'est impossible. On peut pas modifier ceux-là. Et le chemin est impossible par là. What? Si on pouvait les modifier, ça pourrait peut-être aider, hein, mais. On peut absolument rien faire dessus quoi. What the fuck? Moi que je... Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas modifié, ouais, d'accord. Bon, je dois forcément passer par 3 tensions au moins. C'est chaud, hein. Procédons par étapes. Ici ce n'est pas modifiable, ici ce n'est pas modifiable. On peut forcément pas passer par là. Et ça, on peut pas les faire pivoter parce qu'ils sont bloqués. Donc la logique veut qu'on doive impérativement passer par ce machin. Mais le problème, c'est qu'il faut une tension de 5 et nous avons forcément un 6 ici. Ce qui fait qu'on doit forcément passer par cela. Et ça pose un léger problème. Ouais, voilà, quand même un grave problème en vrai. Parce que ok, on peut retirer celui-là, mais ça, ils sont non modifiables. Alors ça sert à quoi? Parce qu'au final, celui-là, on peut pas le bouger. Donc au final, on est quand même niqué. Ah, je sais, je suis pas très logique, mais bon. Au pire, hein, si on voit qu'on n'y arrive pas, hein, c'est pas grave. Hein. On fera le classique, hein. Le problème c'est qu'ici, il faudra forcément que le truc soit dans ce sens-là, dans un autre sens. Et le problème, c'est que si on passe par là, si on passe par ici, on ne pourra plus passer par là. Donc du coup, le chemin, il est forcément dans un certain sens. Et le problème c'est que là, voilà quoi. Si je pouvais faire pivoter ça là... Bon, je pense pas qu'on va se faire chier, honnêtement.
Je sais pas, moi, s'il y avait un moyen ou une connerie dans le genre, on pourrait comprendre, mais y a pas de moyen, là. Y a aucun moyen de passer. Si on passe par là, là, attention, on peut déjà se la foutre dans le cul. Donc au final, il n'y a que cette possibilité-là. C'est là qu'il y a un problème. Parce que quand on arrive là, on a 5 de tension, ouais. Un truc. Là, on est en surtension totale, quoi. Ah, tant pis. C'est pas grave. Oh, si tu prenais les commandes cette fois. Je crois qu'on a réussi. Maintenant, l'interface neurale. C'est beaucoup de travail pour un seul homme, à mon avis. Vous êtes sûr que ça ira ? J'ai bien des doutes après le fiasco d'aujourd'hui. Parce que si je vais travailler ailleurs... C'est que financièrement... Je sais, ça fait rien. Je vais me débrouiller. Et puis, peu importe l'argent, on essaie de changer le monde. Un monde meilleur. Un appel manqué d'MJ. Docteur, je dois y aller, mais je repasserai tout à l'heure. T'en fais pas, il restera bien assez de travail à ton tour. Qu'est-ce que c'est ? Désolé, j'ai loupé ton appel. C'est toujours bon pour le dîner ? Le dîner ? Ouais, je t'appelais pour autre chose en fait, mais... ouais, on devrait en parler à table du coup. Mon offre de passer faire la cuisine est toujours valable. Ah bon ? Ok, j'aime vivre dangereusement. Je suis pas rentrée, mais je passe acheter des trucs et je te fais signe quand je suis chez moi. Ok, à plus. Très bien. Dîner chez MJ, enjeu minimum. Je vois mal comment je pourrais me foirer. Bon. Je vais trouver de quoi m'occuper en attendant qu'elle appelle. Ouais, occupons-nous. Oh. Ici Centrale de Sable, est-ce que la situation a évolué du côté de Clinton ? Centrale, les démons ouvrent le feu sur l'avant-poste du toit. Ça. Et on va voir des démons, tiens. Wow. L'ennemi de mon ennemi est, bah, aussi mon ennemi. Enfin, je suppose. Mais je dois... Arrêtez, les gars! Vous faites peur aux pigeons! J'ai des jours! Ah, ils sont en train de m'aider, hein! What? Je skive toute ma gueule, là! Mais... Je devrais réclamer une fiche de paye à Silver Sable. Mais, en fait, j'aime pas. J'aime pas l'ultime, honnêtement. Ah, du coup, j'ai claqué des thunes là-dessus pour rien, quoi. Parce que l'ultime, là, de la tenue de base, est vachement plus intéressante, en soi.
moi comme ça, je peux faire des combos, etc. Ah. Quand Vulture a fêlé mon œil, il a failli m'éborgner. Ça a été un déclic pour moi. Il fallait trouver un matériau plus résistant. Oh, pauvre petit Parker là. La peur de ma vie. Non, celle-là. Qui a décidé de m'envoyer des cellules maintenant? Hein? Je vais lui appeler une ambulance. J'espère qu'ils pourront l'aider. Spider-Man, Spider-Man. Si, Spider-Man. Allez, alors, non, tout le monde qui veut m'agresser dans la ville. Il y a un pigeon. Vas-y, on va essayer de le choper. Unité en patrouille 1043. Des terroristes masqués se sont emparés d'un garde civil. Rendez-vous dans West Village. Et en plus, il est rapide. Je te ramène à la maison. Lol, les pions, ça donne des trucs de science. Mes excuses. Hey Ward, je crois que j'ai trouvé un des cousins de PJ. Il a des taches grises. Et je crois qu'il vient de tacher ma tenue. Clarence, un vrai petit loustique, doublé d'un charmeur. Tapotez-lui la tête et orientez-le vers le fist. Il trouvera le chemin. Pas de problème. Je ferai pareil pour les autres si je les vois. Ouais. Yep. Alors, Black Cat. Encore une caméra. Black Cat a l'air de bien s'en sortir. Oh, pauvre Spidey. Je sais que je t'ai déçu quand j'ai replongé, mais c'était dommage de gâcher un tel talent. Ah. Eh ben. Encore un chat. On dirait qu'ils vendent des vins d'exception ici. Elles se diversifient. Il faut que j'essaie de prendre une longueur d'avance. Et où le sac? Coucou MJ. Bon, je suis passé faire quelques courses pour le repas. J'ai hâte de voir le cuistot à l'œuvre. J'arrive dans pas longtemps. Tu vas en prendre plein la vue. Ma boutonnière du bal de fin d'année. Ou ce qu'il en reste après avoir affronté Fisk. Bon. Alors, MJ veut qu'on aille bouffer, et ben on va aller bouffer. Bon, on va sûrement tenter l'intoxication alimentaire, mais bon, c'est pas grave, hein. Quoi ça? Daniel? Je dois arrêter ça avant que ça vire au massacre. Eh, on pourrait discuter au calme si je vous apporte des chouquettes? Oh bordel. Keep it. Ouais, en fait. Ah, c'est casse-couille parce qu'au final, le coup du tu retires les armes, c'était pas forcément ce qui est le plus intéressant. Merci de nous avoir sauvé la peau, Spidey. Faites coucou pour ma. Ah, un pigeon. Ah, c'est parti. Ah, le pigeon! Je te tiens! Ah, la chasse au pigeon, je vous jure. Je vais l'appeler ou pas? Ah non, il va pas l'appeler, là, look. Yeah!
I'm Spooderman, yay! Wouh! Demande d'intervention. Oh non, à vos gueules. Civil en détresse. Peter, tu vas jamais vouloir me croire. Tu sais, l'adresse que tu m'as donnée, j'y suis allée. Oh, MJ. Je sais, mais attends. Qu'est-ce que c'est ? Écoute. C'est l'adresse que Peter a trouvée. Il porte des armes à feu. C'est quoi cet endroit ? Dans ce bureau, il pourrait y avoir un élément en rapport avec Lee. Il faut que j'entre dans ce bureau. Hein ? C'était quoi ? Encore un qui est né avec deux mains gauches. Je suis sûr que c'est Happy. J'ai failli tuer un rat. Je dois virer ce type de mon chemin. Martin Lee, c'est vraiment le patron. Ouais, on fabrique cette bête de guerre pour Lee. Lee finance la nouvelle carte du patron. C'est que... de la filtration. Il faut que j'entre dans ce bureau. Si le patron voit ça, il va enrager. Le grève d'ost, mon pote. Tout le pognon va directement dans le greffe d'ost. C'est pour lui, tout ça. Déjà testé ? Que des échantillons. La trompe sent encore son mélange, je te jure. Hé, hey, j'ai entendu un truc. Non ! Oh, putain ! Ah, je pensais qu'il parlait des vers, moi. Enfin, que c'était... Oh, mon dieu, de l'infiltration, quoi. Et sinon, il fait quoi, le patron, avec le blé Martin Lee ? Qu'est-ce qu'ils construisent ? C'est pour Lee, tout ça. Le greffe d'ost, mon pote. Attention. Le pognon va directement dans le greffe d'ost. T'as déjà testé ? Que des échantillons. La trompe passe encore sur le mélange. Et je te jure, sans... C'est moi ou il y a une chose là ? J'ai entendu un truc. Tout en douceur. Quel genre d'engin a besoin de pneus aussi gros ? Ma bite ! Elle est où ? Je suis sûr que je l'avais laissée là. Hé ! Quelqu'un a vu la clé de 12 quelque part ? D'équipement militaire. Voilà le bureau. Je fais quoi là ? Il y a beaucoup de monde devant. Oh mon dieu. Oh mais ça me stresse tellement genre de truc. Hé hey, mec. Pourquoi le patron tient à ce point à ce qu'on mette des puces GPS partout ? C'est pour protéger la cam. Il veut pas que la recette du grain de se sente ici. Ouais, il est un peu parano. On te demande pas ton avis. Au boulot. Yeah, y a du verre partout. Allez chercher du produit. Ce bidon semble important. Alchemax ? Pourquoi ça me dit quelque chose ? Quand on aura acheté les bidons vides, le patron... Qu'est-ce que c'est que ça ? Patron ! Pitié ! Libère à rien ! C'est vrai, Rick. Il verra rien. Parce qu'il n'y aura rien à voir. C'est pas vrai! J'ai dit que j'arrangerais ça! T'en as dans le ventre, Rick.
Voyons si ça va durer. Quelle cruelle déception. J'ai besoin d'un nouveau soudeur. VBT. C'est ça qu'ils construisent pour Ali. Mais pourquoi ils auraient besoin d'un véhicule blindé? Il doit bien y avoir autre chose. Et voilà. Des balises GPS. Pourquoi Tombstone en aurait besoin? Ok, les gars. On s'arrache. Prenez le matos dans mon bureau. C'est l'heure de partir. Bon, c'est là que je te dis de jamais recommencer, mais je sais que tu m'écouteras pas, alors... Tiens. Emporte ça la prochaine fois. Cool. Merci. Tu le sais que Tombstone est fou et presque invincible, pas vrai? Tout le monde a un point faible. Le mien, c'est... Ce que t'es en train de préparer. Ça sent trop bon. Poulet au curry. Y a plus qu'à faire mijoter. Pas de boulettes, j'espère. Tu me laisseras jamais oublier ça, pas vrai? Non. La grande débâcle des boulettes. Quand je pense qu'ils ont évacué tout l'immeuble. Ouais, et en janvier en plus. Tes voisins m'ont détesté. Ouais, ils étaient soulagés quand on a rompu. Ouais. Bon. Parlons de ce que t'as vu dans le bureau de Lee. Ouais. On sait que Lee a une dent contre Norman Osborn. Ouais, mais... Pourquoi? Je sais pas encore. Mais apparemment, il prépare un truc avec le souffle du diable. On va savoir ce que c'est. Ouais. Je ferai des recherches. Dis, je me demandais... Si on faisait équipe. Tu veux être mon acolyte? Genre, la fille araignée? La femme araignée, la femme. Pas une acolyte. Une partenaire. Oh. Non, pas encore. Hey, c'est ton détecteur de crime. Effraction chez un particulier. Charles Standish. Ça me dit quelque chose. Oh, le comptable d'Oscorp. Attends, tu crois que ça a un rapport avec Lee? Désolé de partir comme ça. Tu vas laisser tes fringues par terre, dans la cuisine? Où est-ce que tu veux que... Là, posté sur le canapé. Bon, on se voit plus tard. Ouais. Salut, c'est moi. Il est dingue, ton curry. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur Charles Standish? Voyons un peu. Directeur administratif et financier chez Oscorp. Célibataire, collectionneur d'art. Et s'il a un penthouse dans cet immeuble, il doit être vraiment riche. Lee le cherche. C'est forcément lié au souffle du diable. Je vais faire une recherche complète sur tout ce fichier. Préviens-moi dès que tu trouves un truc. Je sens que Lee prépare quelque chose d'encore pire que l'attaque contre l'hôtel de ville. Du coup, on est partenaire ou pas? C'est un peu l'impression que ça donne. Partenaire? Ça rend pas mal.
Ok. Alors, à plus, partenaire. Allez, le partenaire, il va s'arrêter là, les loulous. Sur ce, je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... attitude. Comme d'habitude, j'ai trop beaucoup. Vous connaissez la chanson, vous conseillez avec ce conseil dicton. Je vous laisse. Je vous fais plein pour tout partout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. So, ciao, bye, bouti, bouti. Et que l'amour du pédé soit avec vous. Peace.